Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors avant de commencer ce premier culte de l'année, j'aimerais vous souhaiter une excellente année. J'aimerais déclarer une excellente année pour vous. Je déclare une année où nous sommes véritablement focus pour réussir, pour accomplir la vision que Dieu a pour nous. Vous savez, Dieu a des rêves bien spécifiques pour chacune de vos vies. Et je prie vraiment le Seigneur que cette année soit l'année où vous accomplissez une bonne part du projet que Dieu a pour vos vies. Que vous soyez dans la vision parfaite de Dieu pour vos vies. Que vous soyez dans la volonté parfaite de Dieu pour vos vies. Je déclare que c'est une année riche en apprentissage, une année riche en succès, une année où vous vivez dans la santé divine, où vous ne tombez jamais malade. Je déclare que c'est l'année où vous accomplissez tout ce que Dieu a mis dans votre cœur, où vous apprenez à exploiter chacune des ressources qu'il y a en vous, chacune des ressources que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Je déclare que c'est l'année où l'on vous voit comme on ne vous avait jamais vu. Je déclare que c'est l'année où les personnes sont étonnées de voir tout le potentiel qu'il y a en vous. Je déclare que c'est l'année où vous marchez dans votre plein potentiel. Je refuse que ce soit l'année où encore une fois vous allez vous plaindre. Je refuse que ce soit l'année où encore une fois vous allez vous limiter. Mais je déclare que cette année, toutes les limitations s'écroulent devant vous dans le nom de Jésus. Pour commencer cette année, j'aimerais que tu déclares quelque chose sur ta vie. J'aimerais que tu commences à parler parce que la déclaration a un pouvoir. La déclaration fait naître des choses. Alors commence à déclarer, commence à prier en langue. Commence à prier en langue si tu sais prier en langue. Et si tu ne sais pas, prie en français. Si tu ne sais pas, prie dans ta langue maternelle. Le makasa katarabaya seke terebosha. Mandara makariba zenelebre kosoto robosha. Masakatariba ya zondorobo kose. Le kenderema ya sanderebo korada ya zane. Le prakantereme sekelebraya. Manto korima soto rekeze. Perebo soto robosha. Mantarika terebrasala. Manderebo sanderebosha. Manderema katarebosha. Hey, j'espère que tu es venu ici avec une offrande de louange. J'espère que tu es venu ici pour louer Dieu parce que ton année 2021 sera exceptionnelle. J'espère que tu es arrivé avec une offrande d'acclamation. J'espère que tu es arrivé avec un cœur bien disposé. Acclame le Seigneur. Pousse un cri de joie. Sopradi à rebosh. Nous t'acclamons, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Yes. J'aimerais que tu loues Dieu en ayant dans ta tête combien ton année va être extraordinaire. J'aimerais que tu loues Dieu
en visualisant chacune des réussites de cette année. Et commence à louer Dieu en avance de ce qui va se faire. Amen. Alors j'aimerais te voir danser, vraiment, même si tu ne sais pas danser, un petit gauche, non, gauche, droite, ce sera suffisant. Amen. Chitney, j'espère qu'on va te voir danser aujourd'hui. Célébrer les confins de la terre, célébrer, retentissant sur terre et mer, célébrer, le chant des tambourins éveille un nouveau jour, célébrer, invitant au rythme de la louange.
Que des gens ici, ici il n'y a personne. Recevoir ton acclamation. Amen. Il est le seul à être digne de toute notre louange. Amen. Nous allons passer un petit temps dans l'adoration. J'aimerais que tu fermes tes yeux. J'aimerais que tu élèves tes mains en signe d'adoration et que tu te focalises sur Jésus. Que tu te focalises sur Jésus.
point ici, Seigneur. Chante avec moi. À toi la gloire. Passer des moments dans la Sainte Seine. Ceux qui sont donc baptisés d'eau, vous pouvez rester debout et les autres, vous pouvez vous asseoir, tout en restant concentré sur la présence de Dieu et tout en murmurant ces paroles de ce chant « À toi la gloire ». Là où tu es, tu peux élever ta voix, tu peux louer ton Dieu et dire « À toi la gloire à toi, à toi la gloire à toi ». Seigneur, tu es grand en ce lieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es digne de gloire. Tu es digne de magnificence. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Thank you.
Merci Seigneur. Nous allons prendre le pain ensemble, mais je voulais d'abord nous rappeler qu'au soir de sa mort, le Seigneur Jésus a dit, voici ce pain, il représente mon corps, je paraphrase. Il représente le corps qui a été cloué, il représente le sacrifice que je vais faire à la croix. Oui, quand nous le prenons, nous nous mémorisons, nous nous remémorisons encore en ce premier jour de l'année. Nous considérons encore le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous considérons son corps qui a été cloué. Prenons le pain ensemble. Quand il a présenté la coupe, il a dit, voici, cela représente mon sang, le sang qui a coulé, le sang qui va couler. Oui, tu peux te rappeler de ce sang. Et ce sang qui a coulé est encore valable ce matin. Et encore valable ce matin pour la maladie, pour les malédictions. Il est encore valable. Oui, la COVID-19 a été clouée sur la croix. Le sang qui a coulé a lavé cette COVID. Alléluia, merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur pour ce sacrifice vivant. Oui, nous pouvons prendre la coupe ensemble. Et alors là où tu es, tu peux élever ta voix. Tu peux louer ton Dieu. Tu peux te lever, nous pouvons nous lever tous ensemble. La gloire. Seigneur, nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la parole qui va être prêchée ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être déposée dans le cœur, dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Comme une bonne plante, Seigneur, comme une bonne graine, comme dans une bonne terre, nous portons du fruit. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci, Seigneur.
Est-ce que tu peux crier, tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Lui qui est, lui qui était, lui qui sera, lui qui est notre Dieu, assis en dignité, dans nos vies, dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, te bénissant. Alléluia. On acclame encore plus fort pour le roi des rois. On acclame encore plus fort pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis vraiment très... Heureuse de vous retrouver ce matin. Et donc, je vous souhaite bonne année. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bonne année 2021? L'année du focus sur notre succès. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette pensée prophétique de cette année? Nous sommes focalisés. Alléluia. Donc, comme d'habitude, nous ne perdons pas les bonnes habitudes en ce premier jour. En ce premier dimanche, pas le premier jour de l'année, mais le premier dimanche, nous allons donc honorer donc notre apôtre, notre père spirituel, notre life coach. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore plus fort? Nous rendons grâce à Dieu pour de tels exemples, pour de tels hommes de Dieu que Dieu a mis sur nos vies. Amen. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur pour la vie de la femme de Dieu, le pasteur Paulette Tsengue Tsengue, la mère spirituelle de ce ministère, de cette église, notre mère spirituelle, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur pour cette femme de Dieu qui paye le prix chaque jour pour toi, pour moi, alléluia. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur pour le corps pastoral d'Assoeur Paris, mon très cher mari, le pasteur Isaac Ntoutoumé, le pasteur Grâce Mafoy ainsi que le pasteur Gentil Mafoy, le pasteur Darius Rukambura et son épouse Maman Chantal, le PE Syriac Nguépé ainsi que son épouse Maman Liliane. Et est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour les 12 de l'apôtre du couple apostolique? Ainsi que pour vous-même, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même et pour toutes les personnes qui sont dans le service? Vraiment, nous remercions le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Donc, bonne année encore 2021. Vraiment, que cette année soit une année où nous filons, où nous sommes au sommet et nous continuons d'aller au sommet. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, j'inaugure vraiment encore merci. Maman, merci, mamie, pasteur Paulette, vraiment pour le privilège que tu me fais vraiment d'être là ce matin devant vous et d'apporter le premier message donc, du mois de janvier. Donc c'est focalisé sur notre amour pour les autres. Et aujourd'hui, donc, je voulais nous encourager. Le titre donc, de mon message, c'est « Oint pour aimer ». Amen. Oui, nous sommes oints pour aimer. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis oint pour aimer? Alors, donc, nous allons commencer donc, notre étude sur 1 Corinthiens 13, verset 4. Est-ce que vous pouvez m'emmener ma Bible? C'est pas grave, elle a traversé, vous allez la voir, elle a traversé les âges, les siècles. Elle est incroyable, ma Bible, mais je n'arrive pas à m'en séparer d'elle. Hein. Elle a traversé mes 4 enfants, hein, c'est le résultat. Hein, à chaque fois que je veux lire ma Bible, un des enfants vient arracher une page. Donc 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil,
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Dans d'autres versions, c'est l'amour ne périt jamais ou l'amour n'échoue jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Et je saute donc les autres versets pour aller au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. On a la capacité d'aimer. Dieu nous a donné la capacité d'aimer parce que dans Galates 5, je pense, il est dit que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour a été répandu par le Saint-Esprit. Donc à partir du moment où tu es né de nouveau, cet amour-là est en toi. Et on doit aussi se rappeler qu'on dit que Dieu a la foi, mais Dieu est amour. Et dans un passage, il est dit que tel il est, tel nous sommes aussi. Ça veut dire que potentiellement, tu as la capacité d'aimer. Potentiellement, tu as cette force d'aimer et de surpasser toute chose. Et on a la définition ici de ce qu'est l'amour. Et nous devons représenter ça. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est passion, parce que Dieu est amour. C'est sa définition, c'est son identité. Donc si Dieu est amour et que nous sommes les fils de Dieu, par définition, nous sommes aussi amour. Amen. Donc nous devons être, même pas nous devons, mais nous sommes patients. Même si tu ne vois pas encore la patience, tu dois le proclamer et dire, je suis patiente. Il n'y a pas de, comment dire ça, là ici, on n'a pas mis de limite à l'amour. On n'a pas dit que l'amour est patient dans certains cas. L'amour est patient dans certaines situations. Non. L'amour est patient, virgule. L'amour est serviable, virgule. Il n'y a pas de comment dire ça donc, si vous lisez Cantique des Cantiques, vous allez voir que l'amour, et en fait, il n'y a pas de limite à l'amour. L'amour n'est pas limité par l'apparence. L'amour n'est pas limité par l'identité de la personne qui est devant toi. L'amour n'est pas limité par la nationalité. L'amour n'est pas limité par le sexe. Non, l'amour n'est pas limité par cela. Amen. Dans Éphésiens 3, verset 14, encore un autre verset qui nous dit que nous sommes fortifiés. Il y a une puissance, il y a une force. C'est Éphésiens 3, verset 14. Est-ce que vous pouvez le mettre, s'il vous plaît? Éphésiens 3, verset 14. Est-ce que vous pouvez l'afficher? Où je vais essayer de le redire par Éphésiens 3, verset 14. Je pense que c'était l'apôtre Paul qui priait pour les Éphésiens et il disait que je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son essence, tire sa source, afin que vous soyez puissamment fortifiés. Puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans votre être intérieur. Et quand vous voyez la suite, vous voyez, afin que Christ habite en vous par la foi, ça peut faire l'objet d'une autre prédication, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, enracinés. Quand on parle d'enracinement, c'est qu'on parle de force, on parle de puissance, on parle de... En fait, on tire notre source de l'amour. On tire notre motivation de l'amour. Tout ce que nous faisons est régi par l'amour. Quel que soit ce que nous faisons est régi par l'amour.
que ce soit pour la croissance de notre GR, la croissance de notre réseau, que ce soit les gens que nous rencontrons, nous le faisons par amour. Quand tu es dans le service, tu es en train d'accueillir les gens, tu es en train de chanter, tu es en train de faire la sainte scène, tu es en train de faire la caméra, tu dois le faire par amour. Enraciné et fondé. L'amour doit être ta fondation. L'amour doit être ta fondation. L'amour doit être ta motivation. Qu'est-ce qui te motive ce matin à venir au culte? Qu'est-ce qui te motive ce matin à dire bonjour? Qu'est-ce qui te motive ce matin? Parce que parfois, on est blessé parce qu'on n'est pas bien motivé. On vient à l'église pour de mauvaises raisons. On vient à l'église pas parce qu'on veut apporter quelque chose à quelqu'un, pas parce qu'on veut recevoir de Dieu pour apporter quelque chose à quelqu'un, mais on vient pour moi, me, je, la trinité du diable. Et quand quelqu'un ne nous dit pas bonjour, ah, c'est un problème. Parce qu'on n'est pas fondé, on n'est pas enraciné dans l'amour. Et je vous ai lu cette définition de l'amour, supporte tout. L'amour n'est pas envieux. Donc si, quand le frère ne t'a pas dit bonjour ou ton pasteur n'est pas venu te voir parce que tu étais malade, ou il ne t'a pas envoyé un message parce que tu as perdu quelqu'un, si tu n'es pas dans la bonne motivation, tu vas te mettre à critiquer, tu vas te mettre à murmurer. Il n'y aura pas de force, il n'y aura pas d'impact dans ce que tu fais. Parce que fonder et enraciner nous permet d'avoir de l'impact dans ce que nous faisons. Parce que nous sommes fondés, nous avons de véritables fondations qui ne vont pas être perturbées par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Moi, je crois que quelqu'un qui est dans l'amour, qui est enraciné et fondé, est quelqu'un d'inébranlable. Amen. C'est quelqu'un d'inébranlable. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Donc, mon grand 1, là, j'étais dans l'introduction. Là, on va dans le grand 1. Philippiens 1, verset 9. Philippiens 1, verset 9. Et c'est une prière, je ne sais pas si vous faites ce genre de prière, mais c'est une prière que vous devez faire. Philippiens 1, verset 9. Là, ici, le grand 1, je vais développer l'amour qui supporte tout. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde. Dis avec moi, abonde. De plus en plus, en connaissance et en vraie sensibilité. Verset 10, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le verset 9 est important. Il prie pour que l'amour abonde de plus en plus en connaissance. Ici, on ne parle pas de la connaissance gnosis, de la connaissance scientifique. Du fait que, oui, vous savez que tel est gabonais, tel est congolais, tel est ceci. Non, il dit c'est la connaissance épignosis. C'est la connaissance, la connaissance révélée, la connaissance où nous avons une pleine connaissance. En fait, de ce que Dieu veut, de la volonté parfaite de Dieu, et en vraie sensibilité, dans certaines versions, et en parfait discernement. On sait parfaitement discerner. On a une perspicacité, pas une perspicacité qui est basée sur les impressions, pas une perspicacité qui est basée sur nos sentiments, parce que comme certains hommes de Dieu disent, les sentiments mentent toujours. Cet amour-là qui vous permet de voir, qui vous permet de voir que non, derrière cette personne-là, en fait, ce n'est pas lui. Cet amour-là, quand ça gagne davantage en connaissance et en parfait discernement, cela vous permet, comme la Bible le dit, et je paraphrase,
que vous sachiez apprécier ce qui est important. En d'autres termes, même si la personne vous a écrasé l'orteil, vous voyez au-delà de cet acte. Vous voyez que cet acte peut vous propulser, peut vous amener encore plus haut avec Dieu, peut vous amener à grandir. Cet acte-là est là pour forger votre caractère. Cet acte-là est là pour vous amener à être un réceptacle divin et capable d'accueillir l'onction. C'est ça l'amour agapé. Ça vous permet de voir au-delà. Quand vous ne voyez pas au-delà, vous n'êtes pas dans l'amour. Quand vous ne voyez que l'apparence, oui, non, il m'a fait du mal parce que c'est un Congolais. Oh non, c'est un Quinois, c'est normal. Non, vous ne voyez, vous, là, vous n'êtes pas dans l'amour. Parce que vous jugez selon les apparences. Vous ne vous attelez pas à ce qui est important. D'où le fait de relativiser. On relativise. Vous devez prendre la décision de ne pas être offensé, de ne pas être blessé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Et donc, gagner davantage, c'est gagner davantage en fait en maturité. Parce que l'amour qui supporte tout, c'est un amour qui est désintéressé. Il ne s'occupe pas de lui-même, mais il s'occupe des autres. Oui, parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui blessent, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes été blessées. Et donc, quand vous allez au-delà du fait que « on m'a blessé, j'ai encore mal, et ceci, et cela », quand vous allez au-delà de ça, vous essayez de comprendre pourquoi la personne me fait ça, pourquoi la personne parle comme ça, qu'est-ce qui se passe, quelle est la racine de son problème. Et ça vous permettra d'être efficace dans la prière, de poursuivre l'essentiel, de vous dire « non ». En fait, ce n'est pas lui qui me parle. Je combats pas contre la chair et le sang comme la Bible dit, mais je combats contre les esprits mauvais qui sont derrière mon frère, qui sont derrière ma sœur. Il n'est pas mon ennemi, elle n'est pas mon ennemi. Cela vous permet de voir au-delà des apparences. Cela vous permet de voir quelle est la racine du problème. Cela vous permet d'être efficace. Alléluia. Et cela nous permet d'être focalisés. Vous voyez, il dit qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable. Vous sachiez apprécier. Vous sachiez discerner l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ici? Et quand on le voit, on va le voir après dans le grand 2 par rapport à l'exemple de Jésus. Mais là, je termine ce grand 1. Vous devez laisser, en fait, c'est vrai que je vais peut-être parler un peu des femmes. Nous, les femmes, on est plus dans les détails. On va plus voir, oui, on est plus dans les émotions. Donc, si quelqu'un me touche, ah, on crie, on pleure, on parle beaucoup. Mais c'est important parfois de laisser les détails. De vous dire, est-ce que ces détails-là sont importants pour ma destinée? Est-ce qu'ils sont importants pour la volonté parfaite de Dieu? Et c'est ça, cette prière-là. Parce que cette prière, quand vous demandez à Dieu que votre amour abonde davantage en connaissance et en parfait discernement, en fait, de la volonté parfaite de Dieu dans vos vies, pour le ministère, votre place, votre positionnement dans l'église, votre positionnement dans le GR, dans le réseau, cela vous permet de ne pas vous bagarrer avec les autres pour un quoi que ce soit de positionnement. Cela vous permet de savoir parce que vous savez que vous savez que vous savez. C'est ça le genre de connaissance là dont on parle. Epignosis. C'est vous avez une, le full revelation, comme on dit en anglais. La plénitude de la connaissance. Donc vous savez quelle est votre position. Vous savez, donc vous ne pouvez pas, comme dirait la Bible, vous ne pourrez pas brancher n'importe comment. Parce que vous savez que vous savez. Vous savez que vous savez là où Dieu vous emmène. Donc vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas vous battre avec les autres. Vous ne pouvez même pas vous battre pour un garçon, non. Parce que vous connaissez votre valeur. Non, quand je vois souvent dans l'église des sœurs qui se battent pour un homme.
Ça veut dire que vous n'êtes pas rempli de la connaissance par rapport à votre amour agapé. Vous n'êtes pas capable d'être patient, de supporter. My God. Vous vous battez pour ce qui n'est pas essentiel. Si vous savez que Gaspard n'est pas pour vous, vous ne vous battrez pas pour Gaspard. Parce qu'il y a peut-être Bernard qui est là, qui peut-être qui s'habille bizarrement, qui est peut-être timide, qui est peut-être là, mais c'est peut-être lui l'homme de votre vie. Mais parce que vous n'êtes pas focalisé sur l'essentiel, vous vous battez sur Gaspard, vous vous battez pour quelque chose qui n'est pas essentiel dans vos vies, et vous perdez du temps, et vous êtes défocalisé. Non. On ne peut pas perdre de temps. Les temps sont mauvais. C'est le temps de courir. C'est le temps de courir derrière la vision et avec la vision. Ce n'est pas le temps de perdre du temps. Ce n'est pas le temps. Alléluia. Ne perds pas ton temps. Dis à ta sœur et à ton frère à côté de toi, ne perds pas ton temps. Alléluia. Grand 2, l'exemple de Jésus. Nous allons voir que Jésus, je vais essayer de paraphraser en fait les passages dont je vais parler. Jésus est un formidable exemple de quelqu'un qui était focalisé et qui aimait les gens. Quand on voit Jésus, déjà la première chose, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, la plupart du temps, surtout l'épisode qui m'a le plus interpellée, c'est l'épisode de la veuve de Naïm. Jésus passait par là. C'était sur son chemin. Il passait par là. Il vit une veuve. Elle avait déjà perdu son mari. Elle venait de perdre son fils. Et là, il est ému de compassion. Être focalisé sur l'essentiel. Il aurait pu se dire, mais non, je passe juste par là. Je vais ailleurs. Je dois partir. Je suis pressé. Quand vous êtes focalisé sur l'essentiel, vous êtes interpellé par l'essentiel, par les choses en fait, qui concourent en fait, à l'essentiel. Vous êtes rivé sur les besoins des gens. Pas sur ce que je veux dire en fait, c'est pas sur ce genre de besoin où les gens veulent te mettre la pression. Non, pas ce genre de besoin-là. Mais ce genre de besoin où tu sens que le cœur de Dieu lui-même est interpellé. Parce qu'on voit que Jésus s'est arrêté. Il a regardé, c'était un court instant et il a arrêté. Ému de compassion, vous voyez, ému de compassion. Mais si on parle de l'amour agapé, il était ému jusqu'aux entrailles. Ému jusqu'aux entrailles parce qu'il était touché par l'essentiel. Il a ressuscité la veuve de Naïm. Il était focalisé. Il était peut-être fatigué. Il était avec ses disciples qui lui posaient beaucoup de questions. Il aurait pu se dire, il aurait pu peut-être être énervé aussi. Mais il n'a pas été défocalisé. Il s'arrête, rempli de compassion. Et il ressuscite. Quand vous manifestez les dons charismatiques, quelle est votre motivation? Est-ce que c'est parce que vous aimez les gens? Ou c'est juste parce qu'il y a une pointe d'orgueil? Ou c'est juste parce que vous voulez prouver à votre responsable que vous êtes archibishop. Ou vous voulez juste prouver à votre responsable qu'il a eu tort de ne pas vous mettre à cette place. Quelle est votre motivation? Alléluia, je suis en train de parler à quelqu'un. Quelle est ta motivation? Le Seigneur me montre quelqu'un qui est frustré parce qu'on ne l'a pas choisi. Et le Seigneur te dit... Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est l'essentiel? Tu seras plus heureux dans la position dans laquelle tu es.
Parce que tu sais qu'une position peut te tuer si tu n'as pas la carrure pour porter cette position. Et si Dieu n'a pas encore vu que c'était le temps pour toi d'occuper cette position, c'est que tu dois être encore formé. Aller vers l'essentiel, être dans l'amour. Alléluia. Jésus n'était pas défocalisé. On voit encore dans un autre épisode, l'épisode où il a multiplié les pains. Quand on voit le contexte de cet épisode, Jésus venait à peine de perdre son cousin. Vous vous rendez compte? Son cousin qui était comme un frère. Je ne sais pas, quand on voit par exemple nos familles africaines, pour moi mes cousins sont comme des frères. Et pourtant, on n'a pas 6 mois de différence. Et eux, ils n'avaient que 6 mois. Donc, vous vous rendez compte, quand Marie allait rendre visite à Élisabeth avec Jésus dans les bras, Jésus aimait jouer avec Jean-Baptiste. Ils ont grandi. À un moment, Jean-Baptiste s'est éloigné parce qu'il était dans le désert. Mais Jésus est parti le retrouver parce que finalement, c'est lui, Jean-Baptiste, qui a introduit Jésus dans le ministère. Donc non seulement c'était son cousin comme un frère, c'était aussi son père spirituel, celui qui l'a introduit dans le ministère. On vient lui dire que Jean-Baptiste, ton père spirituel, ton frère, ton cousin, est mort, décapité. Ils n'ont même pas pu retrouver le corps de Jean-Baptiste, ils n'ont pu que retrouver sa tête. Ou son corps, je ne sais plus. Mais vous voyez quelle... Waouh! Quelle douleur! Il aurait pu ressentir aussi de la colère contre Hérode. Il aurait pu être frustré. Mais on voit que c'est dans la même période qu'il y a eu cette foule qui s'est réunie autour de lui. Il aurait pu dire, non, je ne suis pas disposé. Non, je ne suis pas prêt. Je viens un peu de perdre, mais vous là, mes bandes ignorants, il aurait pu les gronder et dire, oui, mais vous ne respectez pas ma douleur, vous ne respectez pas mon deuil, je viens de perdre mon père spirituel, je viens de perdre mon cousin. Vous vous rendez compte? Il était dans une situation d'affliction, de deuil. Combien de fois nous prenons comme exemple, nous prenons même appui ou en tout cas comme raison valable que non, je ne peux pas faire ceci parce qu'on m'a fait mal, parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de ce que Dieu veut que nous fassions. Jésus n'est pas passé à côté de l'essentiel. Il ne les a pas grondés en aucune... dans la Bible, vous ne voyez... rien où Jésus se met à se plaindre, à maugréer contre Hérode. Allez, dis, bon, allez, tout de suite, je vais aller chez Hérode, je vais lui envoyer la foudre. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour me venger d'Hérode. Non. Dans aucun verset, en fait, on ne voit comment il parle contre Hérode. Et pourtant, on peut aussi se dire que peut-être que Jésus ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas longtemps, Jean-Baptiste avait remis en question son ministère. Mais on voit que non, parce que quand on voit la réponse, quand Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour lui demander « Est-ce que tu es vraiment celui qu'on attend ?» Jésus a dit quoi? Il a répondu d'une manière juste. Il a dit « Oui ». Voyez vous-même et allez le dire à Jean-Baptiste. Il n'a pas dit, mais oh, comment ça, mon propre père spirituel ne croit pas en moi. Mais vraiment, mais quel incrédule, mais quel ceci. Non, il a compris que son père spirituel pouvait être dans la faiblesse. Et c'est ça, ce que Jésus faisait ici par rapport à la multiplication des pains. Il connaissait le cœur de l'homme. Il connaissait que comme la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme peut être tortueux, qui peut le connaître à part le Seigneur? Il pouvait relativiser et dire non, je connais. En fait, non. Même quand il était à la croix, il dit encore pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il relativise. Quel haut degré de relativisation! Il relativise.
parce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient qui ils étaient. Ils connaissaient qu'ils pouvaient être faibles. Ils connaissaient qu'ils pouvaient avoir des moments de faiblesse, qu'ils pouvaient être ceci, qu'ils pouvaient être cela. Ils relativisaient à chaque fois. Ça ne l'a pas empêché de faire la multiplication des pains, d'être ému de compassion. Il n'a pas regardé à son intérêt, à sa tristesse, à sa douleur, mais il a regardé à eux. Non, ils ont faim. Non, ils sont ceci, ils sont cela. Il a été focalisé sur l'essentiel. L'amour agapé, le fait d'être rempli de la connaissance, d'abonder, vous permet de voir l'essentiel, de croire le meilleur, comme on dit dans 1 Corinthiens 13. Je crois le meilleur pour eux. Je crois le meilleur d'eux. Je crois que demain, ils seront meilleurs. C'est pour ça qu'il a pu sacrifier sa vie pour nous, parce qu'il voyait le meilleur de nous. Est-ce que vous vous êtes posé ça comme question? Comment Jésus a pu donner sa vie pour toi? Tu n'existais pas encore. Tu étais potentiellement dans le péché. Mais lui, déjà, il voyait, il te voyait, parce que dans Jean 17, il priait déjà pour toi. Il n'a pas seulement prié pour ses disciples. Il n'a pas seulement prié pour Pierre. Il n'a pas seulement prié pour Jean, mais il priait aussi pour toi. Il a prié pour moi. Il a prié pour Emmanuel. Il a prié pour Ophélie. Il a prié pour chacun d'entre nous. Il était focalisé sur l'essentiel. Amen. Dis avec moi, je suis focalisé sur l'essentiel. Je suis focalisé sur l'essentiel. Alléluia. Le troisième donc grand point, l'amour et l'activation des dons et leur application. Donc en 5 minutes, je vais essayer d'être rapide. Vous allez voir, et on a pris l'exemple de Jésus, que la plupart du temps, quand il a multiplié le pain, il a ressuscité le fils de Naïm, c'était dans un contexte où il était ému de compassion. Il n'était pas blessé, il n'était pas offensé. Il aurait pu être offensé par l'attitude des pharisiens, des autres, des personnes qui pouvaient l'entourer. Il aurait pu être offensé. Vous vous rendez compte quel contexte, quelle atmosphère? Et ses disciples qui n'étaient pas encore matures. Et pourtant, malgré ça, ils continuaient de faire des miracles. Ils continuaient de faire, ils continuaient d'agir, ils continuaient de poser des actes d'amour. Parce qu'il était focalisé sur l'essentiel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous voulez manifester les dons charisma, c'est pour quel but? Quel est le but? Quand vous demandez les dons prophétiques, quand vous demandez l'onction prophétique, quand vous demandez tout ça là pour ressusciter les morts, c'est dans quel but? C'est quelle motivation? Est-ce que c'est pour qu'on vous regarde plus? Est-ce que c'est pour qu'on vous nomme responsable de GR? Est-ce que c'est pour qu'on vous nomme le responsable de GR qui a le plus grand GR parce que vous avez beaucoup de personnes et donc vous vous attelez à avoir beaucoup de personnes, mais vous ne vous attelez pas à vous occuper de chaque personne? Parce que je crois aussi que chaque chrétien normalement a Il a ce potentiel-là d'être un berger, un bon berger. Même pour la seule brebis que tu as. Parce que même quand tu es mère de famille, tes enfants sont tes brebis. Quand tu es père de famille, ta femme et tes enfants sont tes brebis. Même quand tu es jeune à la maison, tes parents, tes frères sont tes brebis. Tu dois prier pour eux, tu dois intercéder pour eux. Et parce que tu es ému de compassion pour eux, tu vas voir que la manifestation des dons charisma sera plus facile. Amen.
Et je vous assure que même dans l'onction prophétique, vous avez besoin d'être dans l'amour. Vous allez voir que la plupart des personnes, en fait, qui sont, j'allais dire, accurate, mais qui sont très perspicaces dans l'onction prophétique, ce sont des personnes qui sont remplies d'amour. En fait, comment vous allez prophétiser sur quelqu'un que vous n'aimez pas? Comment vous allez prophétiser sur quelqu'un avec qui vous avez eu des embrouilles la veille? Comment vous allez prophétiser sur quelqu'un? Comment vous allez même prier pour quelqu'un? Comment vous allez être objectif sur cette personne quand vous priez? Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous priez, vous n'êtes pas objectif du tout. Parce que vous êtes rempli d'amertume, vous êtes rempli de rancune, vous êtes rempli de haine. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas bien administrer l'onction prophétique, ni toutes ces choses sans l'amour agapé. L'amour agapé vous aide à être objectif, à discerner, à aller au-delà. Amen. J'oublie toujours le mot, mais c'est accurate. À être vraiment quelqu'un qui est, il va droit vers le but. Il est sensible. C'est quelqu'un aussi, quand il donne des paroles prophétiques, il ne donne pas pour montrer que c'est un prophète. Il donne pour guérir, pour édifier, pour exhorter. Quand vous prophétisez, votre prophétie doit avoir ses caractéristiques. Ça doit édifier, ça doit exhorter, ça doit encourager. Le fait de venir me dire, pasteur, j'ai vu que telle sœur était dans la fornication. Où est-ce que ça m'édifie? Où est-ce que ça m'encourage? Où est-ce que ça m'exhorte? Mais si tu me dis, oui, Seigneur, maman, pasteur ici, j'ai vu que telle sœur est dans la fornication, mais j'ai vu qu'elle va s'en sortir parce que j'ai prié pour elle. Là, ça m'édifie. On le voit avec Jésus. Jésus savait que Pierre allait le trahir. Mais il a dit, quand tu vas tomber, relève-toi, parce qu'après tu vas paître mes brebis. Il n'a pas dit, oh toi là vraiment, je sais que tu vas me trahir vraiment, je savais que tu étais un faux Pierre. Mais c'était ça ton nom, Simon, tu es vacillant, mais voilà encore. Non, il ne l'a pas critiqué, il a continué à l'appeler Pierre, il a continué à l'appeler stable. Quand vous êtes dans le prophétique et dans l'amour, vous appelez les choses à l'existence. Votre bouche est comme celle de Dieu. Et parce que vous êtes dans l'amour, vous visez juste. Vous visez juste. Vous êtes dans l'amour. Alléluia. Parce que Dieu sait, parce que Dieu connaît ses brebis. Et Dieu, il est amour. Et donc, nous aussi, nous devons être dans l'amour. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, est-ce que tu peux élever encore plus ta voix? Merci Seigneur, oui, ton amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous manifestons davantage l'amour et nous marchons dans l'amour, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être dans les a priori. Nous ne voulons pas être dans les préjugés. Nous voulons être dans l'amour. Merci Seigneur pour cela. Merci ô Dieu. Merci Seigneur. Reka santa rabache terebese. Eleanda rabacha tarababa baba. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez juste me donner une minute? Ma sœur qui est en violet, est-ce que tu peux venir? Je ne connais pas ton nom. Je ne sais pas, mais je voulais juste te dire, en fait, est-ce que tu... un mouchoir, s'il vous plaît. Merci. Je voulais vraiment te dire, en fait, que Dieu t'aime et que Dieu voit, en fait, les souffrances de ton passé.
Je ne sais pas ce que tu as vécu dans le passé, mais Dieu te guérit maintenant et restaure. Et restaure complètement. Et te donne la capacité de pardonner parce que je vois que les gens t'ont fait du mal et que tu as du mal. Pas parce que tu ne veux pas, mais à chaque fois que tu te souviens de ce qu'ils t'ont fait, la douleur revient. Et tu as du mal à être efficace avec Dieu. Et Dieu veut que davantage, Dieu veut davantage t'utiliser. Mais il faut que tu sois libre. Il faut que tu libères ton cœur de cela. Il faut que tu libères ton cœur. Tu libères ton cœur pleinement. Tu libères ton cœur. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux élever ta voix? Oui, Dieu nous a oint pour aimer. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle tu es là. C'est pour apporter encore plus d'amour, l'amour de Dieu, en évangélisant, en voyant les brebis perdues et en les ramenant à la maison. Alléluia, merci Seigneur pour ton onction. Merci pour cette onction d'amour qui est répandue, qui est répandue, qui est répandue, qui est répandue. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes maintenant. Vous pouvez vous asseoir et préparer donc vos dîmes, vos offrandes. Et nous n'oublions pas que nous avons donc, nous sommes toujours dans notre campagne de dons. Donc on va mettre les trois paniers. Ah, les deux paniers, c'est les deux paniers. Hein. Merci Thérence. Nous sommes toujours dans notre campagne de dons, donc nous préparons donc notre dîme, nos offrandes. Vous avez des hôtesses donc à votre gauche, à votre droite. Donc vous pouvez leur demander des enveloppes. Vous pouvez aussi donner votre offrande d'action de grâce. Oui, c'est le moment de remercier le Seigneur pour cette année, pour l'année écoulée et pour cette année qui va commencer ou qui a déjà commencé d'ailleurs. Amen, amen. Alléluia. Waouh. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Alléluia. Nous te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, donc je vous rappelle que la dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. Et c'est un acte d'amour que d'être fidèle aussi dans ces choses. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez venir donner vos dîmes et vos offrandes. Je vais inviter le PE Syriac à venir prier avec vous. Donc pour la campagne de dons, n'oubliez pas que les chèques donc, sont remplis donc, à l'ordre d'Évangile TV. Hein, Évangile TV, il y a le AN, hein, pas le EN, Évangile TV. D'accord ? Pour la campagne de dons, donc d'Évangile TV, vous mettez à l'ordre d'Évangile TV. Donc c'est bon, vous pouvez venir donner vos dîmes et vos offrandes et votre. On peut se tenir debout. Oh.
un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu. Amen. Sagesse, sa nom, oui, Dieu est un tout puissant, car nos peurs, nous voulons louer ton nom. Plus rien ne peut nous battre, plus de limites, plus de blocages. Acclamons le feu de vie. Car Dieu puissant, il est de son sein, Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est de puissant. Car Dieu puissant, il est de son sein, Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est de puissant. Dieu, tu es les mains qui ont donné, Seigneur. Merci, Seigneur, car c'est toi qui donnes la semence aux semeurs et tu donnes, Seigneur, tu leur donnes aussi le pain dont ils ont besoin, Seigneur, quotidiennement. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, à chaque fois que nous venons dans ta maison, nous venons t'apporter quelque chose. Nos mains viennent remplies, Seigneur, afin de t'apporter, Seigneur, quelque chose, ô Dieu. Seigneur, merci pour notre adoration qui est complète, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur, ô Dieu. Merci car tu donnes à chacun selon ses besoins, ô Dieu, Seigneur. Vraiment, les entreprises, Seigneur, tu donnes, Seigneur, vraiment d'être puissamment fortifié, Seigneur, et dans les idées, Seigneur. Merci pour les idées concrétisées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quel message merveilleux, quel message édifiant. Quel message décapant. Vraiment, merci, pasteur, ici, pour cette prédication qui vient vraiment nous apprendre à aimer. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Donc, nous passons à la deuxième phase de notre culte, qui est celle des annonces. Mais avant les annonces, nous allons accueillir les nouvelles personnes. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui se tiennent dans ce lieu pour la première fois? Si c'est votre cas, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Bienvenue.
et nous sommes contents vraiment de vous compter ce matin parmi nous. Donc bienvenue à la CER qui est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Vous avez reçu une fiche que je vais simplement vous demander de compléter afin de laisser une trace de votre passage. Si vous avez une église, nous vous prions de passer nos salutations à vos responsables. Et si vous n'avez pas d'église, eh ben, cette église est la vôtre. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ?